Salut à tous, c'est Sangaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept de vidéo. Donc, je suis pas chez moi, comme vous pouvez le voir, je suis au Mexique. Ça, je vous l'ai dit dans 2-3 vidéos dernièrement. Bien sûr, il y a un vlog qui va se faire. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que on a pris l'iPad à mon frère pendant ce voyage. Et j'ai regardé et j'ai vu qu'il y avait pas mal de photos de moi petit. Donc voilà, le nouveau concept de vidéo. Ça va être ça en fait, c'est que je vais regarder des vidéos, des enregistrements vocaux et des photos de moi quand j'étais donc petit. Et donc voilà, vous allez voir mes réactions. Et donc là, mon père m'a fait un dossier avec une vingtaine de photos. Et donc on va les regarder en même temps et vous allez voir ma réaction. Donc c'est parti. Donc les gars, c'est bon, on est dessus. Donc là, vous pouvez voir toutes les photos qui s'affichent ici. Donc voilà, franchement, je les ai jamais vues. En tout cas, je me rappelle pas. Et donc c'est parti, on commence avec la première. Après, j'ai peur en fait. Oh mon dieu. Alors en bas à droite, vous pouvez voir, il y a marqué il y a les dates, parce qu'à l'époque, ça prenait les photos avec les dates. Donc là, c'était le 12-12-2004, c'est-à-dire 2-3 mois après que je sois née. Donc regardez cette tête. René les gars. Donc voilà. Franchement, j'ai changé. Et on passe à la photo suivante. Oh! Oh non! Donc là, c'était 4 mois. Alors faut savoir, moi, je suis née le 30 octobre 2004. Oh, mais regardez cette tête. Oh, la tête qu'on a quand même. Eh, j'avais des gros joues quand même. Hein. Wouah! Qu'est-ce que j'avais là? Regardez. Ah, j'avais la varicelle, je pense. Ou un truc dans le genre. Donc, ça, c'était toujours en 2005. Je sais pas ce que j'avais, mais j'étais. On dirait que je joue du piano. Oh là, non, mais là, c'est vraiment. Je sens que. Oh là là. Ah là, ça. Ah, là, je suis BG, tu vois. Avec ma petite tête, là, je suis heureux. Mais mon père, c'est moi là qui l'a pris? On dirait pas que c'est moi. J'avais des. Oula. Regardez cette tête. J'étais gros quand même à l'époque. Hein. Ah, voilà, regardez. Là, c'était en 2000. Le 3. C'était en mars. Et là, c'était en octobre. Donc là, c'était 10 jours avant mon anniversaire, faisait un an. Donc là, franchement, on peut voir l'évolution. Hein. Tac, tac. Donc là, je suis devenu un peu plus un bonhomme. Entre guillemets. Ah! Alors attendez. Alors là, on peut voir un peu ma mère derrière. Et là, c'est moi. Regardez ma tête. Alors là, je sais pas où je suis. Je crois que je suis chez. Ouais, j'étais chez moi parce qu'avant, j'ai pas toujours habité dans l'appartement où je suis maintenant. Donc ça, c'était l'ancien appart. Donc là, franchement, j'étais. Oh, ça m'énerve. J'étais plutôt BG, ça va. Par contre, vous voyez les dents. Avec un écart de ouf. J'avais pas toutes mes dents. Donc là, c'est un peu le même style. Non, c'est pas la même photo. Oh, la tête que j'avais là! Oh, punaise! Oh, la tête, elle est énorme. Ce béret, en fait, c'est à mon grand-père. Et je me rappelle un peu de cette photo. Là, où on peut voir même les fauteuils à mes grands-parents. Attendez, ici. Voilà, mes cousins les reconnaîtront. Et donc là, je suis avec le béret de mon grand-père. Franchement, ça me donne un petit style sympa. Alors là, je sais pas ce que j'étais en train de boire. Mais ma tête en mode ah vas-y Michel on sort en une. Ah mais ça me rappelle des souvenirs parce qu'en fait je me rappelle il y a des choses quand même que je me rappelle en fait. Cette photo je me rappelle très très bien. J'étais chez mes grands-parents donc là bah, c'est chez mes grands-parents et j'avais un pull, enfin un pull, une veste. Le truc il était immense. Là en fait c'était que de l'air, hein, c'est pas moi. Il était immense et j'étais pas du tout bien dedans. Et regardez cette tête en mode enlève-moi ça. Donc voilà. Oh. Alors là c'est la tête de l'homme fatigué. Là, ça, je connais ça parce que bah, j'ai eu un petit frère. Et quand il te regarde comme ça, c'est là, tu sais qu'il est claqué, il a envie de dormir. Ouais! Ça, c'est moi quand. Allez, tiens, on va jouer à un jeu. Dites dans les commentaires, vous trouvez une phrase pour cette image. Moi, par exemple, c'est quand tu fais un 12-2 sur Clash Royale. Franchement, je suis BG. Hein. Et j'ai vraiment changé. Oh là non, je l'attendais. Je l'attendais. Regardez cette tête. J'étais ultra ultra vénère contre ma mère. Et ma mère elle m'a pris en photo. Mais regardez cette tête, j'étais vénère. Regardez, on voit un éclair dans mes yeux, je suis vénère. Oh la tronche. Ah donc voilà, alors là c'est mon ancien chez moi. Là je suis en mode. Eh franchement, je suis classe hein. Toujours bien habillé, petit short. Par contre. Vous savez quoi les gars, il fait tellement chaud, il y a la clim à fond et il fait quand même chaud.
Et là, je sais pas comment je fais. Alors, c'est... Ah, par contre, là, il n'y a pas marqué la date. Ça, c'est dommage. Oh là! Regardez ma tête, on dirait que je suis bourré. Ouais, Michel! Ouais, Michel! Bon, la qualité, elle est belle. Hein. Mais c'est moi, ça? Regardez la tête. Excusez-moi. Ça, je crois que c'est en Bretagne, je crois. Je suis pas sûr, mais si je me rappelle bien, c'était en Bretagne. Voilà. Attendez, c'est pas... regardez, on dirait pas que c'est pas la même personne. Attendez, regardez. Avant, après. Alors que c'est toujours en Bretagne. Ah non. C'est en Bretagne, ça? Non, alors ça, excusez-moi, ça c'est en Bretagne. Et ça, je crois que c'est à Saint-Martin. Alors, faut que je vous dise un truc. Moi, depuis que j'ai cet âge-là, avec mes parents, on va souvent... En tout, dans ma vie, j'ai été 5 fois sur une île qui s'appelle Saint-Martin, c'est à côté de la Guadeloupe, et on adore y aller, bref. Et là, je pense que cette image, c'était à Saint-Martin. Ah, bah pas du tout, c'était à Nice. Mais bon, ça ressemble, en fait, c'est le même sable, donc voilà. Oh, elle est stylée, regarde. Ah non, je crois qu'elle est volée, là, la pelle. Donc, ouais, ça, c'est à Nice. Donc ça, c'est à Nice, regardez ma tête de... Je suis choquée. Donc ça, en fait, c'était à Nice, je me suis trompée. Ouais, j'ai le même slip. Ah non, attendez. Slip rayé. Ah bah non, alors on refait. Bretagne, Saint-Martin, Nice, voilà. Au moins c'est fait. Alors je vais vous dire un truc. Le crochet là de capitaine... Alors attendez, il y a trop de choses à dire sur cette photo. Le chapeau, je l'ai toujours. Le crochet que vous pouvez voir ici, je l'ai toujours. L'épée, on l'a cassée il y a pas longtemps. Mais surtout, le truc qui me choque le plus, c'est regarder ça. Regardez la télé. Vous avez vu la télé? Elle est ancienne. Et là, il y a une chaîne IFI, on l'a toujours. Et donc là, on a les petits disques, les nuls, les inconnus. Donc voilà. Donc franchement, ça rappelle grave de souvenirs. Donc ça, c'était dans l'ancien appart. Là, les gars, vous dites ce que vous voulez. Mais là, je suis très, très BG. Je souris. Franchement, avec mon... J'avais des belles dents. Ma grand-mère, elle disait, tes dents, c'est des perles. Voilà. Elle est toujours vivante, hein, mais bon, voilà, je vous le dis. Et elle adorait dire ça. Et maintenant, Ah! Ça devient gênant, là. Donc, je suis en train de me mettre les doigts dans... Attendez, je vais essayer de la refaire. D'accord, comme ça. Franchement, regardez ma dent, là, elle est cassée un peu. Ah non, c'était pas bien formé. Donc, rien à rajouter sur cette photo. Ah, alors attendez. Donc, faut que vous tourniez la tête. Donc là, j'étais... Bah, de toute façon, quand mon frère il est né, on était dans cet appart. Donc, on était dans l'appart que j'ai actuellement. Et donc, ça, c'est mon petit frère, c'est Gabriel, que vous avez, qui a déjà tourné avec moi dans les vidéos. Donc voilà, je suis content d'avoir un petit frère. Ah, ça voilà, ça, faut que j'explique. Donc je vous parlais tout à l'heure de Saint-Martin, la petite île, voilà. Et quand j'étais petit, déjà j'avais toujours ces lunettes. Elles sont énormes ces lunettes, je les adore. Enfin je sais plus hein, mais... Donc ça c'est à Saint-Martin, et en fait ce que je faisais, c'est que j'avais pas de planche de surf. Je sais pas pourquoi. Et en fait la planche de surf, en fait, vous voyez pas sa tête, mais en fait c'était mon père. Je m'accrochais sur le dos de mon père, on prenait des vagues parce que là-bas il y a d'assez grosses vagues. Je m'accrochais à lui, et voilà. Et à chaque fois il mangeait le sable, donc désolé papa, mais bon, c'est la vie. Donc je vous disais, ouais, c'est mon père qui a fait les photos, donc je les ai pas encore vues. Donc voilà, ça c'est toujours à Saint-Martin. Oh! Oh là, oula, attendez, on va trop vite. Alors cette photo, je vais pas vous mentir, je l'ai vue il y a pas longtemps. Je l'avais même mis sur Twitter. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette tête, mais bon. Et cette photo, mon père il avait des... Oh punaise! Mon père, il avait des lunettes que... Bah, c'était celle-là, et j'aimais pas du tout. Et une fois, je les ai mis, regardez ma tête. Voilà. Voilà, ça devient... Vous savez quoi? En fait, je trouve que plus c'est près, les images, plus c'est choquant. On va se mettre comme ça. Alors là, c'était chez mes grands-parents, ouais. Oh, punaise, ma tête. J'ai changé. Ça, c'est, je sais pas, il y a ça combien de temps? C'était il y a 4-5 ans. Mais j'ai changé quand même, hein. Oh la vache, punaise. Donc ça, c'est dans mon jardin, avec ma tronche. Pff. Dans mon jardin. Attends, je vais regarder ce que j'ai. Regarde, des gadelets. Tu vois ou pas, là? J'avais une cuillère chaude, j'étais en train de manger une glace. Regardez cette tête, j'avais un truc moulant qui me collait à la peau, là. Oh mon... Oh mais non. Ouh. Oh mon Dieu.
Mais regardez ce... C'est... Mais c'est... J'ai rien à dire, en fait. Regardez cette... Mais c'est... Tiens, vous voyez le truc jaune que j'ai toujours. Mais ces lunettes... Ces lunettes, on les a achetées au ski, on les a toujours. Elles sont... En fait, elles sont dans les deux sens, et ben tu... Elles sont bien. Voilà. 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 Ça, j'ai rien à rajouter de plus que... Voilà, la photo parle d'elle-même. On voit les petits biceps. Je rigole. Donc là, j'étais en train de sourire, je fais genre le BG, alors qu'en fait, il y avait personne là. Franchement, là, je suis BG. Après, j'avais toujours les dents écartées. Alors ça, je sais pas où c'est. Ah si, en fait, souvent, tous les ans, avec ma grand-mère et ma tata, on va dans un endroit, c'est à côté de Saint-Tropez, et on mange une tropézienne, c'est une spécialité de Saint-Tropez. Et à chaque fois, on s'est arrêté là, et là, en fait, il y a des grosses falaises. Voilà. Franchement, ça va, j'ai un peu peur quand même, mais je suis... Alors, va essayer de trouver cette photo où c'était. Alors, mon frère, voilà, mon frère qui a aussi grandi, hein. Parce qu'on parle de moi, il y a aussi mon frère. Mon frère, je crois que c'est celui qui a le plus de photos dossiers sur lui. Donc, ma tête, franchement, ça va. Le jean, j'ai toujours... Enfin, le truc en jean, j'ai toujours. La tête de mon frère, franchement, il n'a pas changé. Mais je sais pas, vraiment, je sais pas où c'était du tout. Voilà, ça... Rien à dire, c'est une photo normale où ta mère elle roule, elle fait photo, photo, photo! Et en fait tu dis non, pas les photos. Mais en vrai, tu voyais, ça c'est utile parce que ça te rappelle des souvenirs. Ça me rend je bossais. Ah, peut-être Monaco. Bon, je sais pas. Ah! Donc, il faut que je dise un autre truc parce que tant qu'on est, on parle des souvenirs. Alors, Enzo qui a déjà tourné avec moi dans deux ou trois vidéos, je sais plus. Lui, ses parents et lui, ils ont une passion pour la plongée. Et pour mon anniversaire, il m'avait payé une plongée, voilà. Donc là, c'était avec le moniteur, et là, c'est moi, en train de faire la plongée. Donc voilà, donc, franchement, mon père a bien choisi les photos. Donc là, c'était chez moi, regardez cette tête. Mais j'ai vraiment les dents écartées et jaunes. Donc c'était le 9-5-2015, donc c'était il y a 2 ans. Donc là, voilà, on peut voir ma tête. Alors ça, je sais pas où c'est, mais en tout cas, je sais que j'étais en train de jouer au volet parce que j'avais l'habit du volet 24-05. Alors là, 2015, je sais pas. Alors ça, c'était au tennis, voilà, parce que avant je jouais au tennis, j'ai arrêté parce que je mets plus trop. Donc voilà, alors là, cette photo, mais regardez cette tête. Là, franchement, je suis BG, t'as rien à dire, je suis très très BG. Mes dents qui commençaient à être belles. Franchement, j'adore cette photo. Oula. Alors oui, il y a une application sur iPad qui s'appelle Photo Booth, Booth avec l'accent, où en fait ça déforme le visage, tu fais soit miroir, soit déforme, soit zigzag, bref. Donc voilà, là, je crois qu'il y a plusieurs photos. Donc ça, c'était chez ma grand-mère, mon autre grand-mère. Voilà. Là, je pensais, wow, c'est triste. Wow. Là, je sais pas du tout où c'est. Mais franchement, je t'ai BG. Donc les gars, pour entre guillemets remercier ceux qui sont restés jusqu'à la fin, j'ai retrouvé une vidéo et donc je vais la montrer. Bon, bah c'est parti. Je l'ai pas vu, hein, j'ai juste lancé. Attendez, vous avez vu la qualité de vous avez vu la qualité? Attends, on va regarder la vidéo même si la qualité elle est pas belle. Là, je crois que c'était ma... Non, c'est ma mère. J'allais dire ma grand-mère. Pardon, ma mère. Vous avez vu la qualité? C'est du... Il y a du... Oh la vache! Alors là, vous avez tout à l'heure, je vous l'ai dit, ça c'est en Bretagne. Ah non, à Nice. Je confonds toutes les villes. En fait, avec la qualité... On peut voir qu'il y a une couche. Elle y va, oh, Natacha, Natacha! Attendez, il s'est passé quoi à la fin? Attendez, le nom de la vidéo c'est Sam se jette à l'eau. En fait, je suis vraiment jeté. Attendez, vous avez entendu mon père qui dit Natacha, 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 c'est le nom de ma mère. Elle y va, oh Natacha, Natacha! Oh la vache! Vous avez vu? Alors là, vous pouvez voir tout, il y a plein de vidéos. Et on va pas les regarder, ça sera pour une prochaine vidéo. Donc à la fin, mon père dit à ma mère, Natacha, parce qu'en fait, elle regardait pas. Et en fait, je me suis vraiment jeté à l'eau. C'est pour ça que ça s'appelle Sam se jette à l'eau. Elle y va,
La voix de mon père qui a grave changé. Donc voilà, c'était une mini surprise pour ceux qui sont restés sur la fin. Ils ont pu voir une vidéo. Mais bien sûr, il y aura une autre vidéo. J'espère qu'il y aura une autre vidéo où je demanderai à mon père. Bah là, en fait, il y a déjà les vidéos qui sont mises, en fait. Je vais demander de mettre des photos, des vidéos. Il y aura aussi des enregistrements vocaux où on m'entend parler. Que parler sans images, donc voilà. Donc voilà, je pense vraiment qu'il y aura un autre épisode. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo un peu à l'ancienne, enfin pas à l'ancienne, mais où je découvre. Franchement, ça m'a fait grave de souvenirs parce que, par exemple, Nice, ça m'a rappelé des moments. Saint-Martin, ça m'a rappelé des moments. La Bretagne et tout. Ce qui me fait rigoler surtout, c'est la vidéo à la fin où mon père, il a dit « Natacha !» Et genre, je me suis vraiment jeté dans l'eau, donc voilà. Franchement, vous mettez un pouce bleu, vous dites dans les commentaires si vous aimez bien ça. Parce que franchement, moi j'adore parce que ça fait vraiment des souvenirs. Les souvenirs, c'est très important dans la vie. Bref. Donc voilà, donc vous dites dans les commentaires si vous voulez un autre épisode et je vous le fais. Franchement, ça me dérange pas du tout. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bon, ben comme d'hab, lâche un like, lâche un com, partage, mais surtout, abonne-toi. Et ciao tout le monde, et bye!